Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième séance en langage d'assembleur. On se retrouve ensemble pour créer notre premier programme dans ce langage. Et pour, en tout cas pour cette vidéo, hein, pour faire une exception, nous travaillerons aussi bien sur Windows que Linux. Je vais vous montrer la démarche sur ces deux systèmes-là. Je ne ferai pas évidemment, hein, pour des raisons logiques, hein, sur macOS puisque je n'ai pas d'ordinateur de la marque Apple. D'accord? Même si vous verrez que par rapport à Linux, c'est assez similaire et on peut rapidement quand même adapter le code d'un des systèmes à l'autre. On travaillera également sur du 64 bits et du 32 bits. On verra les deux architectures, mais on ne le fera pas évidemment à chaque fois pour chacune des vidéos, bien sûr, du cours. Je vous avais dit en introduction que je ne pouvais pas de toute façon tout aborder, puisqu'il existe un langage, hein, finalement d'assembleur pour chaque architecture. Donc c'est évidemment très très complet, c'est très vaste. Et en même temps, je ne voulais pas forcément faire une formation pour chaque architecture que je souhaite aborder sur la chaîne. Ça aurait un peu éparpillé les différentes notions. Et il aurait fallu réexpliquer un petit peu la même chose aussi d'une formation à l'autre. Donc là, on a un cours, hein, pour en faire un petit rappel. On fera principalement du 64 bits puisque c'est ce que vous avez normalement sur vos ordinateurs actuels. Si vous êtes sur des ordinateurs un peu plus anciens, notamment au niveau du processeur, vous avez peut-être un processeur qui est encore en 32 bits. Ça peut arriver, hein, si vous voulez travailler sur une vieille machine. Et de toute façon, on travaillera aussi sur des supports qui sont en 7 bits, en 16 bits. Le but, bien sûr, au terme de ce cours, c'est que vous puissiez très simplement, avec l'autonomie que vous aurez gagnée, la confiance et puis toutes les notions que vous aurez vues, pouvoir vous adapter à n'importe quel outil. Hein. Voilà, n'importe quel matériel sur lequel vous souhaiteriez programmer en langage d'assembleur. Voilà comment que ça va se passer. On va regarder ensemble les différents outils qu'il va falloir installer, qui vont vous servir tout au long, bien sûr, de cette formation. Et ensuite, on passera au code, à commencer pour une première partie sur Linux, et on terminera en deuxième partie de cette séance pour Windows, parce que c'est un peu plus délicat et vous allez très vite comprendre pourquoi. J'en parlerai plus en détail. On y va. Passons directement sur Linux. Premier outil qu'il va vous falloir installer, c'est un éditeur de code. Évidemment, comme chacune des formations de la chaîne, je pars du principe que vous n'avez jamais programmé avant, que vous n'êtes pas forcément très familier avec l'outil informatique. Après, logiquement, si vous souhaitez apprendre à programmer, s'il y a un prérequis à avoir avant de suivre ce cours, au minimum, bien sûr, c'est de savoir utiliser votre système d'exploitation. Mais ça, ça prévaut un petit peu pour chaque domaine, finalement, de l'informatique. Si vous ne savez pas vous servir de votre Windows, de votre Linux, avant même de commencer à faire de la programmation, de la 2D, manipuler un logiciel de graphisme ou faire de la MAO, ça risque d'être problématique et vous allez très souvent vous bloquer ou avoir des problèmes sur des choses qui ne sont pas, qui ne concernent pas en fait ce qui va être abordé notamment dans ce cours, mais qui concernent directement l'usage, hein, l'utilisation de votre système que vous ne maîtrisez peut-être pas et avec lequel vous n'êtes peut-être pas encore assez familier. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, au minimum, il va nous falloir comme premier outil un éditeur de code. C'est tout simplement une application qui va nous permettre d'écrire notre code. Généralement, je ne recommande rien en particulier, hein, je ne recommande pas d'éditeur ou d'environnement de développement complet. Je pars toujours du principe que le meilleur outil que vous puissiez utiliser, c'est celui que vous savez utiliser, d'accord, et qui fait le travail que vous demandez. Voilà. Vous voulez réaliser quelque chose, si vous arrivez à le faire avec un outil que ça vous convient, c'est a priori le meilleur outil que vous puissiez utiliser, d'accord. Si vous êtes encore, vous posez la question, quel est le meilleur éditeur, le meilleur environnement, si c'est ça qui compte pour vous, qui a un intérêt, vous perdez peut-être un petit peu votre temps. Donc apprenez à utiliser un outil, choisissez n'importe lequel, testez-en plusieurs même s'il faut, adoptez-en un, celui que vous préférez, que ce soit pour des histoires de préférence au niveau du thème, de l'interface, des fonctionnalités, des outils intégrés, etc. Peu importe, dans tous les cas, voyez un petit peu de votre côté, testez et choisissez ce qui vous plaît le plus. Évidemment, pour ceux qui ne sont pas du tout au courant de comment ça fonctionne et quel outil utiliser en particulier, j'ai fait sur YouTube, donc sur ma playlist Aide, une vidéo. Là, je suis sur mon GitHub, parce qu'on peut retrouver bien sûr l'intégralité des vidéos plus simplement. Vous allez dans la playlist Aide et vous allez retrouver directement une vidéo sur Visual Studio Code, d'accord, qui est tout simplement l'éditeur que j'utilise principalement, hein, quasiment sur toutes mes vidéos. Donc j'attends que ça charge, voilà. Ici, oh, par contre, ça fait mal. Attendez. Hop, où est-ce qu'on est? Voilà, c'est mieux. Et vous avez donc une vidéo, un petit guide sur Visual Studio Code. C'est principalement celui que j'utilise de toute façon sur les vidéos de la chaîne, sauf à l'époque où il n'existait pas, et que je me servais d'un autre éditeur de code. Donc c'est un éditeur de code, voire même un mini environnement de développement, puisqu'on peut, à l'aide d'extensions, installer tout un tas d'outils supplémentaires qui peuvent en faire quelque chose d'assez riche en termes de fonctionnalités et d'outils intégrés. Voilà, donc ça, c'est le premier outil installé. Une fois que vous l'aurez, vous pourrez directement en bénéficier. Et si vous ne savez pas comment l'installer, encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo qui vous montrera comment installer ça, peu importe votre système d'exploitation, puisque c'est multiplateforme, c'est open source, c'est gratuit. Et c'est là, donc évidemment, tout l'intérêt. Pas besoin de payer quoi que ce soit, c'est magnifique. Et on commence bien cette année 2021, mine de rien, au moment où je fais cette vidéo, avec cet outil-là. Premier outil.
Deuxième outil, on va avoir besoin, puisqu'il s'agit de langage d'assembleur, et je vous ai pas mal embêté avec ça dès la vidéo d'introduction, sur le fait qu'on parlait réellement de langage d'assembleur ou de langage d'assemblage. Pourquoi? Puisque l'assembleur, comme on le dit de manière abusive en parlant de langage assembleur, en réalité c'est le programme qui va nous permettre d'assembler, d'accord, ce que l'on a écrit comme code. D'accord. Et nous allons justement installer un assembleur. Ici, petite chose à savoir, petite particularité, j'en avais déjà parlé précédemment, c'est qu'il en existe plusieurs. D'accord. Il n'y a pas qu'un seul assembleur, et un assembleur propose et possède sa propre syntaxe, voire même ses propres fonctionnalités. D'accord. Il y a des assembleurs qui auront plus de fonctionnalités que d'autres, en fonction de ce que vous installez. Pour évidemment ne pas se perdre, on va utiliser toujours et uniquement le même, que ce soit sur Windows ou Linux, à savoir NASM. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est ceci. NASM, donc NetWide Assembler, c'est lui. Alors, non. Ok, super, je suis content. Voilà, c'est celui-ci, d'accord, que nous allons installer sur le système. L'avantage, c'est comme ça, nous travaillerons avec le même outil, vous aurez la même syntaxe, les mêmes fonctionnalités, vous ne serez pas perdu. Bien évidemment, encore une fois, le but moi, de mon enseignement, c'est de vous permettre de gagner en autonomie et surtout en curiosité aussi, d'être un maximum curieux, pour ne pas, par la suite, en tout cas, vous dispenser de vous intéresser à d'autres outils, et qui sait, peut-être qu'un jour, vous vous amuserez à travailler sur d'autres assembleurs, à en tester d'autres, et il n'y a pas de problème. On a également, par exemple, pour Windows, MASM, on a également GNU, donc Sega, c'est le GNU ASM, c'est l'assembleur du projet GNU, et on en a plein plein d'autres, d'accord. Il en existe vraiment plein, chacun avec leur syntaxe, chacun avec leur fonctionnalité, mais ils réalisent la même chose, c'est-à-dire de programmer, d'accord, en langage d'assembleur, et sous différentes architectures, bien sûr, en fonction. L'avantage de NASM, c'est que ça fonctionne sur Windows, ça fonctionne sur Linux, sur macOS, pour du 32 bits, pour du 64 bits, voire autre. Mais en tout cas, voilà, on travaillera sur les architectures, en tout cas, principales. Donc c'est bien pratique, c'est également gratuit, encore une fois. Donc ça fonctionnera très bien, et ça fera largement le travail par rapport à ce que nous voulons faire, en tout cas pour cette formation. Donc c'est celui que nous allons utiliser, et que nous allons installer. Évidemment, et c'est ce que je disais en début de vidéo, il faut savoir utiliser un minimum votre système, surtout si vous êtes sur une distribution Linux. Donc ici, alors moi, il est déjà installé. Le paquet à installer généralement, et je pense que ça ne va pas de toute façon changer au niveau du nom d'un OS à l'autre, c'est NASM. D'accord. Une fois qu'il est installé, pour vérifier que c'est bien le cas, vous pouvez faire appel directement au programme avec son argument -v pour obtenir le numéro de version, et ça vous indiquera effectivement quelque chose s'il est installé, sinon bah, c'est que vous ne l'avez pas installé et il va falloir le faire. Donc là, on a la version 2.13 au moment où je fais cette vidéo. Si vous avez une version plus récente, aucun problème, bien sûr, vous pourrez suivre ce cours, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on a notre éditeur de code, on a notre assembleur et on va avoir besoin d'une autre partie. Une fois qu'on va assembler notre code, on va obtenir ce qu'on appelle un fichier objet. Un fichier objet va en fait pouvoir être lié via ce qu'on appelle un lieur, d'accord, via le système, donc le principe d'édition de liens, pour produire notre... Enfin, à obtenir notre programme final, qui est généralement un programme exécutable. C'est l'objectif, en tout cas la finalité de ce qu'on veut faire, savoir en tout cas quelque chose d'exécutable. Ok, ici. Donc le lieur, bon, on ne va pas s'embêter. Si vous avez déjà programmé en C, en C++, logiquement vous l'avez déjà, il s'agit de LD. D'accord, c'est le lieur de GNU qui est directement disponible. Donc moi, si je fais un LD-V, il est déjà présent puisque GCC, etc., tous ces outils-là, les compilateurs, sont déjà présent dessus. Si jamais vous ne l'avez pas, bah je vous recommande d'aller voir directement dans mes tutoriels sur le langage C. Donc, alors, enfin, pas là-dessus, j'ai des bêtises, qu'on est sur Linux là. Vous installez simplement, pardon, ça je me trompe, c'est pas par rapport à Windows. Vous installez donc, évidemment, alors, vous pouvez directement installer LD, hein, ou même binutil, parce que de toute façon c'est binutil, mais de toute manière sur Linux vous l'avez, puisque Linux utilise de toute façon ces outils-là. Donc logiquement, il n'est pas possible que vous ayez une distribution GNU Linux sans LD disponible dessus. Et sinon, s'il vous manque des paquets et que vous ne savez pas trop quoi installer, bah vous faites une petite installation, notamment ici de Build Essential, qui est un méta-paquet qui en contient plein d'autres, et vous aurez comme ça tous les outils nécessaires. À terme, une fois que vous avez votre éditeur de code, c'est d'avoir, encore une fois, NASM et d'avoir le lieur LD. D'accord, c'est ce que nous allons utiliser ici pour GNU Linux. D'accord, et vous pourrez éventuellement d'ailleurs utiliser sur macOS, encore une fois, moyennant bien sûr une petite adaptation du code, puisque comme je vous ai dit, ça va varier d'un système à l'autre et je ne pourrai pas de toute façon vous faire de support malheureusement pour macOS. Donc désolé, c'est pas que je ne veux pas, mais à moins qu'encore une fois, je l'ai déjà dit, je crois que j'ai déjà fait la blague. Hein, si quelqu'un, bon évidemment, veut lâcher un gros don, je me ferai un plaisir d'acheter un MacBook et vous faire des cours dessus, il n'y a pas de problème. Évidemment, je ne suis pas contre et fermé à cette idée-là. Ok, donc ceci étant fait, ceci étant dit, étant installé, on va pouvoir passer à la suite et écrire notre premier code. D'accord, on est parti, on a notre éditeur, notre assembleur, notre lieur, on a tout ce qu'il faut. Magnifique, on va pouvoir faire notre pâte, hein, finalement, et la recette sera bonne.
À partir de là, nous allons créer notre fichier. Pareil, je pars du principe que vous n'avez jamais programmé de votre vie, donc on va faire étape par étape, on va prendre notre temps. En plus, on va voir énormément de choses sur ce cours, sur cette formation. Je fais un petit rappel en vous disant que c'est une vidéo, hein, vous n'êtes pas en salle de classe à l'université, à votre école, donc vous pouvez à tout moment mettre en pause la vidéo. Si vous trouvez que je parle trop vite, vous pouvez ralentir la vitesse de lecture. Si vous trouvez que je parle trop lentement, vous pouvez l'accélérer. Hein. Si vous êtes too fast, vous pouvez accélérer la vitesse. Et bien sûr, comme c'est une vidéo, vous pouvez la regarder en plusieurs fois par jour, même plusieurs fois, même dans la même journée. Il n'y a aucun problème. Bref, faites-vous plaisir, c'est une vidéo, c'est à la demande, c'est gratuit. Ça ne mange pas de pain, c'est cadeau et c'est pour la bonne année, bien sûr, pour la nouvelle année. Donc profitez-en. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, parce que peut-être que des gens verront cette vidéo 5 ans plus tard et se diront « Ouais, bon, il nous parle de nouvelle année, qu'est-ce qu'il raconte celui-là » Voilà, c'est sympa. Bien. Passons à la suite, nous allons tout installer. Alors déjà pour notre éditeur, alors notamment pour Visual Studio Code, hein, si vous utilisez un autre logiciel, débrouillez-vous, hein, vous savez logiquement vous en servir, c'est le principe. Ici nous allons installer une extension pour avoir en fait une coloration syntaxique. Sinon au niveau du code, bon, on n'aura pas forcément une identification au niveau de la couleur pour voir les différentes parties, on va tout avoir en blanc, c'est pas pratique, bref, ou en noir si vous êtes sur fond clair, c'est pas génial. Donc normalement, je pense qu'en mettant NASM, on devrait obtenir une extension, oui. Alors il y en a plusieurs, on peut chercher Assembly, X86, peu importe. Mais en tout cas, on va avoir pas mal de choses ici. On va installer celui-là, on verra ce que ça fait. Normalement, je pense que ça devrait faire l'affaire. Je crois que c'est celui que j'avais installé sur mon Windows de toute façon. J'ai un doute, mais on verra très très vite comment que ça se passe. On y va, passons au code, et on va en avoir deux. Alors déjà, il va peut-être falloir que je fasse un petit... Parce que j'aurai des fois des choses à vous noter. Parce que c'est bien d'avoir des notes, hein, en fait, que vous voyez visuellement. Parce que des fois, je peux dire une chose à l'oral et les gens comprennent un mot pas du tout comme ça. Donc c'est bien d'avoir des notes sous la main, voilà. Et on va créer deux fichiers. Il faut savoir qu'au niveau programmation, pour si vous ne le savez pas, parce que ça fait jamais de mal à rappel, on travaille donc en deux modes. On a soit des fichiers au format texte, en mode texte, ou on a des fichiers en mode binaire. Et sans rentrer dans les détails, en gros, quand vous programmez, vous avez besoin donc d'un fichier source, et un fichier source n'est rien d'autre qu'un fichier en mode texte. D'accord ? On va juste changer l'extension pour qu'il soit facilement reconnu par l'outil, si on veut faire de la compilation, de l'assemblage, tout ça. Parce que s'il n'est pas dans la bonne extension, il ne sera pas content, il va dire « Non, je veux pas ce format-là, tu dégages ». Et voilà, c'est assez, vous voyez, hein, assez, voilà, on est assez sélectif hein, sur les outils. Donc vous pouvez créer n'importe quel fichier texte sans problème, et vous allez changer son extension. Et ici, donc moi je vais l'appeler A32. J'en ai appelé un A32, et l'extension pour l'assembleur la plus commune, c'est ASM. On peut mettre extension S, il y en a plein d'autres, mais éventuellement, comme vous êtes vous démarrez, vous pouvez très bien mettre ASM, et ça ne posera pas de problème. Donc oui, comme l'équipe de rugby, hein, c'est tout pareil. Voilà, on va faire la même chose pour 64, et vous allez comprendre pourquoi. On va changer l'extension tist.asm et on va ouvrir ces deux fichiers. Je vais commencer par la version 64 bits, on finira par la 32, parce qu'encore une fois, normalement vous êtes en majorité, logiquement en 2021, au moment où je fais cette vidéo, sur du 64 bits, donc il y a plus de chances que vous soyez sur ça, mais il va falloir que j'en parle, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on fait ce cours que vous êtes forcément censé savoir qu'est-ce qu'une architecture, quel format, quel système adressage, est-ce que vous avez du 32, du 64, donc on va très rapidement en parler. En gros, comprendre que vous avez donc votre processeur, d'accord, dans votre ordinateur, qui est sous une certaine architecture, d'accord, telle qu'il a été construit. Il est aujourd'hui, hein, en 2021, au moment où je fais cette vidéo, normalement, ceux qui sortent sont en architecture 64 bits sur votre ordinateur, d'accord. Ça vous permet, par exemple, notamment de disposer d'une mémoire vive, une mémoire RAM, beaucoup plus importante, c'est-à-dire au-delà de 3 Go, d'accord. On peut mettre maintenant du 8 Go, 16, 32 Go sur un PC. C'est grâce au format justement 64 bits qu'on peut avoir donc ces mémoires étendues hein, aussi importantes. Sur un format 32, on était beaucoup plus limité, et sur des vieilles machines, il y a plus de chances que vous soyez sur du 32 bits par rapport au processeur. Mais par rapport à ce qu'on va vouloir programmer, ce n'est pas tout. Il ne faut pas prendre en compte que l'architecture de votre processeur, même si c'est a priori déjà le but premier. C'est surtout fonction de votre système. Sur un processeur, en tout cas, qui a une architecture 32 bits, vous allez pouvoir par exemple installer une distribution Linux ou même un Windows en 32 bits. Là, il n'y a pas de doute, on ne va pas se tromper, de toute façon, le 64 ne marche pas. Par contre, là où il y a la douille, c'est que sur un système, enfin une architecture, pardon, 64 bits, on peut très bien et on devrait installer un système en 64 bits hein, pour profiter un maximum, bien sûr, des fonctionnalités, des avantages que peut profiter, qu'ajoute en fait cette architecture, mais on peut sans problème installer un système en 32 bits. Ça fonctionnera aussi, parce que c'est une extension du 32 bits, le 64. Donc si vous installez par exemple un Ubuntu 32 bits, alors que votre processeur est un 64 bits, ça va fonctionner, ça ne posera pas de problème. Mais à ce moment-là, vous serez bridé et il faudra programmer donc en langage d'assembleur en 32 bits, si votre système est en 32 bits. Donc veillez en fait à ce que le code que vous allez produire est fait par rapport
à la version de votre système d'exploitation. Encore une fois, si vous êtes en 32, il n'y a pas de doute possible. Quand vous êtes en 64, il va falloir le vérifier. Le meilleur moyen, et puisqu'on est sur Linux ici, c'est de faire un petit uname, par exemple TRR. Alors, je ne serai même pas obligé de vous montrer ce genre de commande, puisque si vous ne savez pas le faire, vous ne connaissez pas de votre système, vous avez un cours GNU Linux sur ma chaîne qui vous montre un petit peu tout ça dans le détail, puisque ce n'est pas un cours Linux ici, c'est un cours en langage d'assembleur. Et là, normalement, c'est pas ça, c'était tiré A pour toutes les infos, pardon, on obtient ce genre de format. Donc ça, ça correspond au format 64 bits. Si c'était que x86, ça correspond à du 32, et quand on a un underscore 64, c'est du 64. On peut trouver également 386, hein, i386, ça correspondra à du 32 aussi. On peut avoir plusieurs termes différents, c'est des fois un peu galère parce que ça dépend en fait un petit peu de l'identifiant qu'on utilisait à l'époque pour les différents modèles de processeurs, notamment chez Intel. D'accord, on avait plusieurs versions comme ça, et on a des identifiants qui sont restés, hein, d'accord, pour des raisons de compatibilité. Voilà, donc là je suis sur un système de toute façon 64 bits, donc forcément, hein, j'ai installé un système 64 puisque je suis sur une architecture 64, donc je n'allais pas brider par rapport à ça. Donc pas de problème, je vais pouvoir programmer principalement là-dessus. Ok, voilà. Et vous, si vous êtes en 32, vous ferez ça. Donc à vous d'adapter en fonction, je vais vous montrer encore une fois exceptionnellement pour cette séance les codes sur les deux architectures, mais on ne va pas le faire à chaque séance. On ne va pas faire toutes les séances sur Linux et Windows et sur du 64 et du 32. Sinon, imaginez, vous allez voir déjà la longueur de cette vidéo, imaginez si je fais ça pour chacune quand on va passer à des notions un petit peu plus avancées, on va avoir des vidéos de 4 heures. Donc ça va être un peu compliqué pour moi après l'encodage et tout ça. Voilà, on y go, on est parti, on va commencer par 64, puisque encore une fois, ça va être le plus courant, et c'est a priori ce qui va fonctionner pour, si vous possédez un appareil assez moderne, alors attention, hein, 64 bits, hein, c'est une architecture qui existe quand même depuis maintenant, je crois, plus de 15 ans, hein, donc c'est pas comme si c'était sorti hier non plus, mais c'est vrai qu'on a encore aujourd'hui hein, des outils qui tournent en 32, ou même des applications qui sont en fait en 32, hein, je pense à Steam, hein, Skype, tout ça, je crois qu'ils ne sont pas passés encore aux 64 bits, hein, d'ailleurs, ouais, c'est... Toujours, hein, voilà, le 32-8, ça a la vie dure et va continuer d'exister encore un petit moment. Voilà. Autant Flash a disparu cette fin d'année 2020, mais pas le 32 bits. Donc tant pis. Bref, passons aux 64 bits et passons au niveau du code, que je vais maintenant écrire. Alors le code, évidemment, ce que je vais faire, vous n'allez rien comprendre, sauf si vous avez bien sûr déjà programmé en langage assembleur, et pas sûr que vous compreniez tout d'ailleurs, mais c'est normal. Le but, c'est que j'écrive le code, je commente très rapidement, grossièrement, ce que je fais, d'accord. Et bien sûr, ça va vous permettre de voir un peu à quoi ça ressemble, en termes de visuellement parlant, en tout cas, en termes de syntaxe. Je vais employer quelques termes aussi durant le commentaire que je vais apporter au code que je vais écrire. Et sachez que, bien sûr, tout ce que je vais écrire là, vous arriverez à un stade, à un moment donné, où vous arriverez à le comprendre parfaitement, totalement, et vous saurez ce que chacune des lignes, ou chacune des instructions, si je veux être précis, fait dans ce code. Donc c'est parfaitement normal, vous comprenez rien, je voulais en fait aborder ce cours un peu d'une autre manière. En faisant ça, on balance un code et après on va éplucher un petit peu tout ça, détailler ça, voir les structures et les différentes notions, d'accord, qu'on abordera ensemble au cours de cette formation pour le langage d'assembleur. On y va, on commence par notre architecture 64 bits, ok, donc x64, et je vais indiquer au niveau de mon code que je veux justement générer un programme pour une architecture 64. Donc je vais, alors, pour éviter toute ambiguïté, l'indiquer dans mon code via cette instruction bit 64, donc suivi de la valeur 64 pour être sûr. Pas de problème. Ensuite, on va travailler par un système de segments. Alors, je vais bien sûr être assez bref dans mes explications. Le but, c'est pas vous détailler la structure du code que je fais, c'est juste de vous présenter brièvement en commentant. Et bien sûr, tout ce que vous allez voir là sera expliqué en détail, en long, en large, en travers, tout au long de cette formation. Donc, vous inquiétez pas si vous ne comprenez rien au niveau du code, c'est normal. D'accord? Si on n'a jamais programmé un langage assembleur, c'est normal que vous ne compreniez pas le code, c'est logique. Vous êtes là pour apprendre. On va utiliser donc la section data qui va nous permettre d'avoir des données initialisées puisque je vais avoir besoin d'une constante, notamment le texte à afficher. Je rappelle que pour cette vidéo, comme ça l'indique le titre, nous allons faire un Hello World. C'est tout simplement un programme qui affiche un texte en mode console. Tout simplement, c'est la base, mais c'est le minimum à savoir faire quand on apprend un langage de programmation. Je vais avoir un format particulier ici. Je vais mettre Hello World avec un petit, on l'a marqué à la française, hein, d'accord. Normalement, en anglais, on est censé coller ça. Moi, je me permets de mettre une espace ici. Et ça nous fait combien? Attendez, qu'on se loupe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caractères. Ok. Je vais mettre un petit retour à la ligne. Donc, je mets le code ASCII, un petit dédicace, hein, la table ASCII, pour faire un retour à la ligne, hein, line feed. Et nous sommes partis. On va pouvoir passer cette fois-ci à la partie du code, donc le segment texte. Hein. On va garder le terme texte. Ce sera très bien. On va rendre la portée ici de la suite, donc de mes instructions globales, et comme le lieur LD que nous utilisons pour Linux attend ce terme, d'accord, cette étiquette-là, il faut l'appeler start avec un underscore au début.
Voilà, je rends ça global, sinon le lieu ne pourra pas la trouver, et donc ne pourra pas, donc l'édition de lien ne pourra tout simplement pas se faire, et je vais mettre ça là. Voilà, donc le global, je le mets juste ici dans le texte, hein. Je pourrais le mettre tout à fait, par exemple ici au début du code, hein, en dehors même de la section texte. Moi, je le mets ici, comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier, et il n'y a pas de problème. On est parti. Alors, gros avantage, et c'est là que vous allez voir la différence entre GNU Linux, où ça va être assez, mine de rien assez rapide, et ensuite plus tard, à la fin, donc en deuxième partie de cette vidéo pour Windows, c'est que nous sommes, hein, pour rappel, hein, si vous ne le savez pas, Linux est un noyau, d'accord, donc c'est le noyau qui nous intéresse ici, qui est sur cette distribution, bien sûr, et c'est quelque chose qui est open source. On a donc accès au code source de ce noyau, de ce kernel, il n'y a pas de problème. Et comme c'est quelque chose qui est open source, naturellement, on a très facilement, sans problème, accès à, on va dire, on a en tout cas un regard, si vous voulez, sur comment est conçu ce dernier, et donc sur les différentes, finalement, fonctionnalités bas niveau, d'accord, de ce dernier. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir besoin de passer par des, alors j'allais dire des couches d'abstraction, bah si en réalité, puisqu'on ne s'amuse pas directement à manipuler le noyau, hein, au cœur même de lui, de lui-même en fait, on a quand même un minimum de couches d'abstraction, mais en tout cas on est vraiment, vraiment très 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 proche, et on va pouvoir faire ce qu'on appelle des appels système. On va utiliser des fonctions directement du noyau. D'accord, on n'est pas comme on sait là où on utilise un printf pour afficher quelque chose qui derrière printf va faire lui des appels système, bref, va se débrouiller avec le compilateur pour faire tout ce qu'il faut au niveau du système et avoir d'ailleurs, comme vous le savez, un code un peu plus portable aussi. Ici, on est directement sur les appels système, les appels du noyau pour Linux. D'accord, donc forcément, il y a toute une documentation pour trouver ça. Le code est disponible, on peut retrouver toute documentation que l'on voudrait concernant le noyau Linux et comment le manipuler, comment travailler avec quand on est en langage d'assembleur. Donc ici, je vais utiliser une instruction move qui va permettre donc de faire des déplacements de données. Vous verrez un petit peu tout ça par la suite. Alors on travaille en 64 bits, on ne va pas se tromper ici. Je vais travailler sur un registre. Donc je vous sors comme ça des termes, hein, qu'on va évidemment voir dans le détail tout au long donc, de ce cours. Et je vais me placer directement, donc, enfin en tout cas dans ce registre, la valeur de 1 qui est en fait correspondant à l'appel système write. Write est une fonction donc, du noyau qui va nous permettre d'afficher quelque chose en mode console. D'accord, notamment ce petit hello world, très important. Ce write, cette fonction, prend des arguments. Elle attend donc des arguments pour pouvoir fonctionner. Donc je vais lui passer en premier argument. Ici, il va lui falloir notamment le descripteur à utiliser, c'est-à-dire dans quoi, sur quel flux nous allons lire. Moi, je veux lire, et ça, ça doit vous parler si vous avez fait, bien sûr, vous avez suivi le cours de Linux, sur mon descripteur de fichier, donc notamment la sortie standard. La sortie standard, ce qu'on appelle stdout, d'accord, elle est ici, codée, hein, donc son code, c'est tout simplement 1. Voilà, même chose, 1 et 1, on ne peut pas se tromper. Ok, ensuite, notre autre argument, ça va être tout simplement notre message, donc c'est ça, voilà. Et ensuite, en dernier, ça va être la taille de ce message. On avait un 13 caractères, hein, si j'ai bien compté tout à l'heure, et il faut bien sûr le caractère de fin pour une chaîne de caractères, ça c'est petit rappel à ceux qui font de la programmation, bien évidemment. Donc là, je vais mettre ça, et je vais indiquer plus 1 juste à la suite, comme ça, voilà, je décompose pour qu'on voit que ça, c'est la longueur de cette chaîne ou autre. Alors vous verrez que plus tard, il y a de moyens de calculer ça de manière dynamique, hein, on n'est pas obligé de mettre ça en brut, mais bien sûr, le but c'est de faire un code assez simple, d'accord, j'essaie de ne pas trop faire compliqué avec des raccourcis, tout ça pour le moment, ou de passer par des macros ou que sais-je. Là, je reste assez simple dans les instructions pour que ce soit assez logique. Et à partir de là, on va faire appel au noyau avec un syscall. Syscall fait appel au noyau, va nettoyer les registres et voir en fait, donc analyser en fait tout ce qui a été fait ici dans les registres, pour exécuter éventuellement une opération bien précise, un traitement bien précis. Donc là, par rapport au positionnement qu'on a fait, il va se passer quelque chose, notamment ici l'affichage de notre message. Et comme je veux terminer les choses proprement, on va faire appel à exit, qui nous permet tout simplement de quitter proprement ici l'exécution de notre programme. Donc à nouveau, au niveau de l'accumulateur, je vais me placer cette fois, c'est 60 pour exit, on est en 64 bits, c'est ça. Donc c'est 60, parce que vous verrez qu'entre le 32 et 64, c'est pas les mêmes codes. Donc de toute façon, si je me suis trompé, je verrai très très vite à l'assemblage les erreurs que j'aurais pu faire. On fait un petit RDI, puisque ça, ça prend en argument, mais ici je passe 0 directement, donc on va faire ça. Et on refait un appel directement au kernel, donc au noyau avec un syscall directement. Voilà, ceci, en gros, affiche le message via l'appel système write. Ceci quitte le programme via l'appel système exit. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc mine de rien, même si vous ne comprenez pas ce code, et même si vous n'avez pas forcément compris mes explications, avec les commentaires que j'ai pu donner déjà, vous voyez un petit peu, je pense que certains d'entre vous ont déjà un petit peu compris comment ça s'articulait, comment ça se structurait. Ça vous apportait quelques éléments, et tant mieux, parce que comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, ça vous indique un petit peu quelques petites choses. Et là d'ailleurs, ça m'a permis de voir que j'avais oublié les deux points ici, au niveau de start. Cette étiquette-là, de ce label.
Alors ça, data, texte, normalement il manque rien. Tout, 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 tout. Je pense que c'est bon. Ok. On va faire ça comme ça. Très bien. On y va et on va assembler maintenant ce dernier. De toute façon, si j'ai fait une erreur quelque part, on va très très vite le voir. Je vais faire ça à part parce que si je le fais dans l'éditeur là, vous voyez que vous remarquez en tout cas visuellement que le code en langage assembleur ne prend pas beaucoup de place en largeur. Hein. Vous voyez, c'est des instructions assez courtes en majorité. Donc je pourrais afficher mon terminal là, mais comme je veux que vous voyez bien la commande, je vais le faire dans le terminal ici, à part. On va utiliser notre assembleur NASN, donc c'est très très simple ici. Il va falloir produire, en tout cas passer par un format assez particulier sur les distributions, GNU Linux, BSD, tout ça, on travaille avec un format ELF. Je rentre pas tellement dans le détail là-dessus, parce qu'on n'a pas encore abordé hein, le différents formats, le fonctionnement de la mémoire, tout ça. On fera tout ça par la suite. Mais sachez que pour ce système-là, on utilise le format ELF. Et comme on est en 64 bits, on va travailler avec le ELF 64. Donc on utilise l'argument -f pour choisir le format. ELF 64 pour évidemment assembler dans le bon format, parce qu'on est sur un code. On veut produire un code en 64 bits, pas se tromper. On lui passe le fichier en question, donc je l'avais appelé a64.sm. Et j'indique ici en argument le nom que je veux donner au fichier de sortie. Et je veux qu'il ait l'extension O, puisque ALD attend un fichier avec l'extension O. Il sait très bien travailler avec ça, donc on va lui donner le bon format directement, la bonne extension, il sera content. A64.O. Voilà. On fait ça, et là, a priori, pas d'erreur au niveau de l'assemblage, donc ça a l'air d'être assemblé comme il faut. Après, ça ne veut pas dire que le code est bon, on verra. Maintenant, on a obtenu, alors ça c'est bien que vous le voyez, notre fichier objet. D'accord? Le fichier .O ici, il est bien là, pas de problème. On va pouvoir lier ce dernier, donc il n'y en a qu'un seul de toute façon, c'est assez simple, pour obtenir notre programme final. L'avantage, ça vous le comprendrez par la suite avec ce que nous verrons, on pourrait parfaitement créer des fichiers O avec d'autres langages. Il y a peut-être des gens d'ailleurs un jour qui en C, en C++ se sont amusés comment dire, casser un petit peu les étapes hein, pour la compilation, le pré-processing, l'édition de liens au niveau de la programmation, de ce qu'ils faisaient, et ont pu obtenir des fichiers .O dans d'autres langages. Bah, sachez qu'on pourrait parfaitement après, évidemment il faut que tout fonctionne ensemble, mais avoir plusieurs fichiers .O produits par différents langages, et ensuite lier tout ça ensemble pour obtenir un programme qui a été construit finalement avec plusieurs langages différents. C'est quelque chose qu'on fait assez couramment, et je vous l'avais expliqué par exemple, dans le langage d'assembleur, on ne va pas forcément tout coder un programme en langage d'assembleur. On peut coder en C, hein, c'est ce qu'on fait principalement, et après quand on a besoin de parties critiques ou de parties bien précises, ou même des fois obligatoires quand on travaille sur des créations de drivers ou autres en langage d'assembleur, eh bien on va tout simplement faire ça en langage d'assembleur, mais garder le reste en C. C'est tout à fait une application possible, même sinon on va quand même se concentrer un maximum sur le langage d'assembleur, puisqu'il y a déjà un cours en C sur la chaîne, donc si vous voulez faire du C, vous savez où aller, il n'y a pas de problème non plus. Ok, donc on y va pour LD. On va faire ça. Donc LD, bah, c'est très simple, il attend notre fichier objet, d'accord? Et moi je lui passe le fichier final, et comme on est sur Linux, je ne lui mets pas d'extension, donc je vais l'appeler simplement A64. Voilà. Normalement, on a obtenu un fichier A64. Vérifiez bien sûr au niveau des permissions hein, qu'il est bien exécutable. Normalement, il n'y a pas de raison, mais si jamais vous voyez que ça ne s'exécute pas, il faudra changer les permissions à ce niveau-là. Et on n'a plus qu'à l'exécuter. Et voilà. Bon, écoutez, ça n'a pas planté, donc a priori, c'est bon. Donc, de toute façon, il n'y a, bon, il n'y a pas de raison, normalement. Je n'avais pas vu d'erreur là-dessus, donc il n'y a pas de raison que ce soit faux. Mais comme j'enregistre, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur, hein, d'une faute de frappe, inattention, n'importe quoi. Voilà, notre premier programme en langage d'assembleur X64, d'accord, 64 bits, est fait. Voilà, vous avez ça, même si, bien sûr, à ce stade, logiquement, vous ne comprenez pas grand-chose de ce code, mais c'est normal, vous allez apprendre à comprendre et à faire tout ça vous-même par la suite, et on verra, bien sûr, beaucoup plus que ça. Là, on est sur quelque chose, encore une fois, d'assez simple à ce niveau-là. Voilà pour le 64 bits, passons au 32. Donc, je prends le temps, encore une fois, c'est une vidéo, vous pouvez la regarder en plusieurs fois, etc., etc., pas de problème. Alors ça, je ne vais même pas faire un copier-coller, ça va éviter de faire des bêtises. On va simplement indiquer bits 32, ici. Section data, bah, pas de changement. Donc ça, à ce niveau-là, je vais reprendre la même chose. Ici, on va remettre Hello World. Je vais remettre exactement le même texte. Le petit retour à la ligne qui va bien. Ok, section text. Ici, start. J'oublie pas cette fois-ci les deux points comme j'ai fait tout à l'heure. Et c'est bon. Voilà, texte, texte. Ok, donc il nous faut ça. Alors là, pour le 32 bits, c'est un petit peu différent, parce qu'on va travailler sur d'autres registres, parce qu'évidemment, selon l'architecture qu'on a, eh bien, on travaille, on n'a pas les mêmes registres, comme vous allez l'apprendre par la suite, en fonction de l'architecture. Donc là,
toujours pareil, même principe, on va faire appel à la fonction write et ensuite la fonction exit. Donc c'est toujours les mêmes fonctions du noyau, hein, parce que le noyau lui ne change pas, hein, c'est toujours le noyau Linux. Donc même si on change d'architecture, le noyau c'est le même, donc tout fonctionne pareil, c'est juste que la syntaxe utilisée du langage d'assembleur, elle va varier. Je me place via mon registre d'accumulateur sur cette fois-ci, enfin je place pardon pas le code 1 mais le code 4 qui correspond donc cette fois-ci au code de write en 32 bits, très important. Et on refait tout pareil comme tout à l'heure, donc E pas EBC mais EBX, j'utilise le descripteur stdout, donc c'est la sortie standard au niveau de ma console. Je passe ensuite le message, donc c'est ça encore une fois, je rappelle, hop, et en dernier, c'est la taille, donc c'était 13 plus 1, hein, c'est ça, ouais. Normalement il y avait 13 caractères, ouais, c'est ça. Et cette fois-ci, puisqu'on est en 32 bits, on ne peut pas faire directement un syscall, puisque ça a évolué, il faut directement ne pas faire donc un syscall, mais une interruption de code 80 en hexadécimal, qui est tout simplement bah, pour dire de faire appel directement au noyau, nettoyer les registres, et c'est reparti, donc c'est hein, l'équivalent en 64, voilà, du syscall qu'on ferait en 64 bits. Mais en 32 bits, on fait une interruption. Même chose, cette fois-ci, à adapter pour exit. Donc cette fois-ci, le code de exit, bon lui, hein, regardez, c'est pratique, ici c'était 60, et bah là pas de bol, c'est 1, donc ça c'est dommage. On fait un petit EBX de 0, parce que ça, ça ne change pas le paramètre à passer, je le garde à 0, je ne le veux pas. Et on regardera bien sûr hein, tout ça, on verra hein, write, etc., exit, comment je connais les paramètres, vous verrez, je ne les invente pas. Hein, on verra tout ça dans le détail par la suite, ne vous inquiétez pas. Et ici, appel au noyau derrière. Donc vous voyez, je fais toute une partie, je place tout ce qu'il faut dans mes registres, une interruption, appel au noyau, ça fait ce qu'il faut ici. Ensuite, repareil, appel au noyau, et hop. Et on peut réutiliser éventuellement les registres par la suite. Pas de problème, parce que vous verrez qu'il y a des registres qui sont réservés, d'autres qui sont préservés, d'autres non, bref, des registres volatiles. Plein de choses qu'on va apprendre, qu'on va voir ensemble et que nous allons aborder au cours de cette formation. Voilà. Alors là, petite particularité, parce que certes, je suis sur un système 64 bits. Je vous ai dit que sur du 64 bits, on peut exécuter du programme, l'exécutable en 32 bits. D'accord, ça fonctionne, parce que c'est une extension. Mais on va avoir besoin de rajouter un petit argument quand on va faire la liaison. Sinon, bah, il ne va pas être content, ce qui va me dire, bah non, d'ailleurs, bah, je laisserai, parce que comme ça, vous verrez un petit peu pourquoi, faire un petit peu ce qui se passe. On va reprendre la même commande, donc là, vous allez voir, c'est tout pareil, sauf que vous mettez 32, si vous êtes sur du 32 bits. Alors d'ailleurs, c'est pas le même fichier, attention, sinon je vais avoir des petits problèmes. On change, c'est pour ça que je les ai appelés justement comme ça, pour que ça différencie les deux. Et là, pour LD, il va y avoir un petit changement, ici. Alors c'est -m, d'accord, l'argument, pour indiquer en fait qu'on veut produire, d'accord, pour... comment dire, une architecture 32 bits. On veut un code en 32 bits, c'est important parce que ici, sinon la liaison ne fonctionnera pas. Si je ne mets pas, de toute façon, si je fais juste ça, ce que je voulais vous montrer d'ailleurs, voilà ce qui va nous retourner. Bon, a priori, j'ai pas fait d'erreur. Il nous dit voilà, c'est incompatible avec la sortie i386-8664. En gros, bah, c'est pas compatible ici. Donc, l'architecture 32 bits n'est pas compatible avec l'architecture 64. Oui, parce qu'elles sont différentes. Donc, c'est pas parce que 64 est l'extension de 32 qu'elles sont forcément identiques, évidemment. Donc, on va manuellement indiquer ici à notre lieur qu'on veut vraiment, vraiment, en fait, exécuter pour la partie 32 bits, d'accord, de notre système 64 bits. On veut avoir ce format-là. Et normalement, c'est un ELF underscore i386, puisque c'est ce qu'il indiquait ici. Donc, ça dépend encore une fois des identifiants, des processeurs, etc., qu'il y avait à l'époque. Donc normalement c'est ça l'argument pour. Vous avouerez bon que je fais moi principalement que du 64 bits. Hein, ça fait voilà, le 32 bits j'en fais quand même très peu. Donc avec LD, bon si ça a l'air d'être ça. Est-ce qu'il m'a produit mon exécutable 32 ce que j'ai dit, ça devrait être ça, mais c'est pas dit aussi. Maintenant est-ce que ça marche? On va vite le savoir. À 32. Et ça a l'air de fonctionner. Voilà, voilà. Donc comme ça, vous avez un petit peu différence entre les deux. Donc encore une fois, si vous êtes sur du système 32 bits, c'est ce code-là qui va vous intéresser. Si vous êtes sur du 64, bah je vous recommande bien sûr de faire du 64. D'accord, ne faites pas du 32 si vous êtes sur du 64, sauf si vous avez une raison, hein, que c'est volontaire et que vous savez pourquoi vous le faites. D'accord, mais vous êtes sur un système 64, profitez de ce que ça apporte en termes de fonctionnalité, c'est quand même ça qui est intéressant. Voilà pour la partie GNU Linux. Donc c'est bien, ça fait une demi-heure, donc c'est cool, on a fait une bonne partie à ce niveau-là. Et nous allons pouvoir passer à Windows. D'accord, alors je vais d'ailleurs, hop, volontairement fermer. Tout ça, je vais pas le laisser tourner pour rien. Voilà, voilà, lui c'est où? Hop, ça, ça dégage. Pour Windows, c'est un peu particulier, puisqu'à la différence du noyau Linux, nous sommes sur un système qui est propriétaire. Donc même si Microsoft fait un peu dans l'open source, même s'il y a des programmes, des applications qu'ils font, qu'ils le sont,
Pour autant, Windows n'est pas open source. Vous ne pouvez pas récupérer ou obtenir, en tout cas, à moins, bon, il y a des entreprises ou autres, bien sûr, qui l'ont, mais c'est des cas très très particuliers, et c'est pour des raisons bien particulières aussi. Mais vous, voilà, vous ne pouvez pas demander à consulter le code de Windows, du système Windows. Donc automatiquement, comme Microsoft n'autorise pas, hein, la, on va dire, la manipulation, même si ce n'est pas vraiment exact, directe du système et de son noyau, il propose une API, d'accord, c'est une bibliothèque en fait, qui permet de faire, donc, via une couche d'abstraction, appel à des fonctions, d'accord, pour faire des appels système si vous voulez, mais ce qu'autorise Microsoft. Voilà. Donc vous ne pouvez pas faire plus que ce qu'autorise Microsoft, mais voilà, au minimum en tout cas ce que permet cette API. Et nous allons donc utiliser l'API de Windows, d'accord, la WinAPI telle qu'on l'appelle plus communément. Donc c'est ce que nous allons faire ici. On y va. On va passer là. On va créer nos fichiers comme tout à l'heure. Ici, alors on va voir un petit peu, je vais voir ce que j'ai un doute, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, mais généralement pour Windows, utiliser le lieu LD, c'est pas très pratique, d'accord. Il était surtout conçu pour GNU Linux, donc c'était surtout pour ça. Donc il n'est pas, voilà, c'est pas le top, on va dire, pour du Windows. Donc éventuellement, vous pouvez, d'accord, installer Golink, éventuellement, mais on va quand même tester avec ELD, parce que peut-être que j'arriverai à le faire fonctionner. Mais dans tous les cas, bon, ça peut être, ça fera pas de mal de tester un autre éditeur. Un autre lieu éventuellement, de toute façon si vous êtes que sur du Windows, bon bah vous en installerez qu'un seul et vous verrez. Donc on testera avec LD quand même, mais sinon on fera avec Golink. Donc Golink, normalement on peut le retrouver de toute façon en faisant genre DevTools Golink. Donc le site de toute façon est assez vieux, hein, vous allez vite reconnaître, voilà c'est ce site là et vous pouvez comme ça le retrouver. Alors je ne sais pas exactement où est-ce qu'il l'avait mis. Parce que ça c'est pas forcément très pratique. C'est vrai qu'on ne le retrouve pas directement, hein, Golink Download. Je mette ce qui sert que vous avez au moins le lien parce que moi je l'avais forcément déjà récupéré. Alors je l'ai pas récupéré en installateur, hein. J'ai juste récupéré l'exécutable, ce qui fait que j'ai pas besoin de l'installer sur mon système. On le retrouve peut-être directement là. Oui, il est là, voilà. Golink, etc. Vous pouvez le retrouver là. Donc c'est très petit, hein. C'est pas très très grand de toute façon. Donc si vous en avez besoin, vous pouvez le récupérer. Donc je vous conseille de le récupérer parce que pas sûr que je puisse faire fonctionner LD parce qu'encore une fois, je vous dis, c'est pas très pratique sur Windows. Donc de toute façon, je vous montrerai la manip aussi avec Golink, comme ça vous aurez les deux. On va voir avec LD pour savoir si ça fonctionne, et on fera de toute façon avec Golink, puisque c'est vraiment beaucoup plus pratique pour lier sur Windows. Voilà, on y va, on va créer nos deux fichiers également. Donc même chose, sur Windows, petite particularité, les extensions ne sont pas affichées par défaut, si vous ne savez pas faire. Dans ma playlist Windows Tutoriel, vous avez une petite vidéo sur comment afficher les extensions sur Windows, comme ça vous en serez au même point que là. Et là on y va. Alors on va commencer par le A34 bien sûr, évidemment, et on fera aussi pour du 32 bits. Donc moi mon système est 64 bits ici, donc comme pour Linux, donc pas de problème. Hop. Alors, il va falloir agrandir parce que ça va être tout petit. Voilà, on a les deux, ça va être bon. Donc là, on va devoir passer par l'API, évidemment, je ne vais pas vous montrer en détail hein, où, parce que, encore une fois, cette séance-là n'est pas faite pour vous montrer en détail hein, chaque chose. J'ai écrit juste du code que je commente, et on verra tout ça par la suite. Et encore une fois, vous verrez comment je sais bah, voilà, les paramètres des différentes fonctions à utiliser, comme je l'ai fait pour write et exit avec Linux. Vous verrez que pour Windows, on a d'autres fonctions. Et encore une fois, je n'invente pas hein, les fonctions ou les paramètres qu'elles attendent, ou les arguments qu'elles attendent. Tout ça, bien sûr, est documenté et on vous montrerait où trouver toutes ces informations-là, parce que de toute façon, vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas l'inventer, vous ne pouvez pas le deviner. Donc, il faut forcément avoir la documentation et ça va beaucoup être de ça. De toute façon, quand on programme en langage assembleur, il faut tout un tas de documentation. Ne serait-ce que pour le microprocesseur sur lequel vous êtes, pour savoir comment il fonctionne, donc son architecture, pour avoir connaissance des registres, pour avoir connaissance évidemment des flags, de tout ça, de tout ce qu'il propose, d'accord, tout ce que vous allez pouvoir utiliser. Et après, en fonction du système sur lequel vous êtes, il faut voir aussi les différentes fonctions disponibles. Si vous êtes sur Linux, l'API au niveau de l'API de Windows, si vous êtes sur Windows, et c'est exactement la même chose pour macOS de toute manière, d'accord. On n'invente rien encore une fois, c'est issu de documentation qui sont bien sûr publiques, hein, pour le coup, qu'on retrouve en ligne, sur les sites officiels, tout ça, il n'y a pas de problème. On y va. Alors pour Windows, très simplement, je vais indiquer encore une fois, ah par contre, ah, j'allais dire, ouais, c'est vrai que c'est très bizarre, il est peut-être mal fichu hein, ce... Ah oui, il est très mal fichu en fait, cette extension. Je sais pas qui a fait ça. Désolé, hein. Pas de critique, mais bon. C'est bizarre que là, la coloration se fasse et dès qu'il y a... Bon, tant pis. Pas grave. Ok, c'est bon. Il veut pas... Ouais, je sais pas si ça fonctionne comme ça. Ça, j'ai un doute. Hein. J'ai toujours mis 64 ou 32, moi. Donc, bref. Au moins, je sais que ça fonctionne, pas de problème. Donc, on est en 64 bits, puisqu'on va commencer par celui-là.
on y va. Ici, encore une fois, j'utilise donc l'API de Windows, donc je vais faire appel à des fonctions de Windows. Je vais en avoir besoin de 3. Comme elles sont donc issues de l'API Windows et n'appartiennent pas directement au langage d'assembleur, je vais aller le chercher depuis une portée extérieure, donc j'utilise cette instruction externe, et je fais appel aux différentes fonctions que je vais avoir besoin. Cela va me permettre d'avoir un gestionnaire donc pour tout ce qui est en fait outils, écriture, lecture, etc. Donc, il va me falloir travailler avec un gestionnaire, donc j'ai besoin de celle-ci. Je vais avoir besoin également de l'affichage en console. On a un mode ANSI qu'on peut éventuellement utiliser. On le fait assez généralement ça. On a le mode Unicode aussi. Donc je vais garder l'habitude d'utiliser la version ANSI. Et on va travailler avec Exit Process pour pouvoir quitter notre programme proprement. Donc il nous faut ces trois là. Comme ça on aura tout ce qu'il faut à ce niveau là. On est parti dans la section data. Ah oui, j'ai la coloration par contre qui se fait pas pareil de Linux à Windows. Très bizarre, hein. Que l'OS ça change en fait la coloration syntaxique car j'utilise la même extension et le même éditeur. Ok, bon, c'est pas grave, on peut pas chercher. Ouais, comme là, message il se met en coloré. Bon, ok. Ok, c'est ouais, c'est bah, sur Linux c'est moins joli, mais ça marche. Donc DB, hello world. Donc là, pas de changement, même information. 10 parce que je veux un retour à la ligne, c'est ok, pas de problème. Par contre, là, comme ces fonctions, bien sûr, ont des arguments différents, ça n'a rien à voir avec write et exit sur Linux, il y a des cas particuliers, donc je vais avoir besoin de réserver des emplacements en mémoire, donc ce ne sont pas des données qui sont déjà en fait initialisées, hein, ou des constantes, ce genre de choses, et je dois travailler dans un autre segment, donc une autre section qui est BSS, et bien sûr, tout sera vous expliqué et présenté en détail dans ce cours. Je vais l'appeler return, puisque c'est généralement le nom hein, pour write console, il me semble, je vais donc... format rescue puisqu'on est en 64 bits et pas que je me trompe, et ici j'ai juste besoin d'une valeur de 1, il faut un octet. C'est pas un octet d'ailleurs parce que c'est Q, donc c'est Q-word, donc c'est pas un octet, mais c'est un quadruple mot, voilà, un Q-word, et on verra tout ça par la suite aussi. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que sinon je vais vous perdre un petit peu. On y va, on fait un petit, on passe cette fois-ci par le segment texte, vraiment très bizarre ces couleurs. Global. On n'est pas. Alors là, ça va dépendre. Comme on va, je vais essayer quand même avec LD, donc je vais mettre start comme ça, parce qu'on va essayer de lier avec LD. Parce que c'est vrai que j'ai toujours pris l'habitude sur Windows de lier avec Golink. Ça fait un petit moment que j'ai pas resté avec LD, donc peut-être qu'il y a moyen, parce qu'il y avait normalement des arguments pour ça. On testera, on verra. De toute façon, ça aura pas de mal. On se place comme d'habitude, portée globale pour que le lure puisse trouver. Je l'appelle start puisque LD s'attend à ce nom-là hein, précisément par défaut. On s'embête pas et on y va. D'accord, c'est parti. On se place sur un registre ici. Alors, pas se tromper par contre. Ça va nous servir pour pouvoir utiliser directement. Alors là, ça va être le handle ici. Et c'est même plus exactement pour utiliser la sortie standard. D'accord, je crois que c'était std underscore handle out. Je crois qu'il y avait un nom comme ça qui correspondait à une constante. Donc, j'ai oublié le nom exact peut-être, mais c'est pas grave. De toute façon, je sais que ça correspond à moins 11. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ensuite, on va pouvoir directement faire un appel. Donc là, je fais un call, puisque encore une fois, ce ne sont pas des appels système directement à proprement parler comme sur Linux. Je fais simplement ici appel à quelque chose d'externe. Donc ça fait partie de l'API de Windows. Et je vais appeler getStdHandle. Donc ça, c'est en fait l'argument qu'elle attend. Voilà. Donc moins 11, c'est pour récupérer en fait un gestionnaire pour la sortie standard en mode console. Et ensuite, je fais appel à celle-ci par rapport à ce registre. Première étape. Donc là, vous voyez que ça se décompose en différents. Maintenant, on est sur de la programmation 64 bits. Donc, en 64 bits sur Windows, parce qu'on ne fait pas toujours les choses simplement selon l'architecture et selon le système, il faut avoir un alignement de la pile qui corresponde. Et cet alignement de la pile, d'abord, il va falloir donc, l'appliquer sur un registre de pile hein, prévu pour ça. L'aligner donc déjà de 32. C'est pas que moi qui l'invente encore une fois. S'il ne faut pas le deviner, c'est que c'est comme ça. D'accord. Il y a des règles, en fait, à des conventions, des normes à suivre au niveau des architectures qu'on trouvera dans les documentations. Encore une fois, je vous apprendrai à chercher toutes ces informations-là quand vous aurez besoin de les connaître et les utiliser. Et ensuite, il faut se réaligner par rapport à 16. Donc, ça va être un RSP de 8, si je m'abuse. Oui, c'est ça. Je pense que c'est 8. Et sans, c'est pas ça. Vous allez voir. Si tout plante, de toute façon, si mon enregistrement plante, bon, on saura pourquoi. Ok. Ensuite, donc ça, bon, je vais l'espacer parce que ça concerne surtout pour l'alignement. Et comme il va falloir me réaligner correctement par la suite, je le fais d'avance. RSP, donc remettre en fait la pile, en fait, nettoyage de la pile, simplement. Ça va être les deux, donc 32 plus 8. Voilà. Donc ça, c'est pour faire des décalages, pour aligner la pile comme il faut. Parce que sur Windows en 64 bits, vous verrez pourquoi par la suite il faut le faire. Mais je vous expliquerai en détail pourquoi. Ok, on est là, on y va, on attaque maintenant pour Write Console qui possède beaucoup plus d'arguments, c'est assez
assez compliqué quand on connaît pas. Donc ici, il nous faut R6, RAX. Ça, c'est pour le premier. Donc ici, de toute façon, j'ai pas, voilà, juste pour l'accumulateur. Donc en fait, on s'en fiche, pas besoin d'informations de plus. Ensuite, il va falloir le message. Donc RDX, ça va être le message. Ceci. Ensuite, on a deux autres arguments donc qui seront passés dans R8 et dans R9, puisque c'est l'ordre, en fait, les conventions d'appel hein, pour Windows, ici, notamment 64 bits. Donc on va garder là, on va suivre les conventions, on va pas commencer à faire n'importe quoi. Ici, on est en 13 arrondis, par contre, je crois qu'il prend le retour à la liste, enfin, le caractère de terminaison, il le compte pas. Je crois qu'il faut mettre juste 13 pour Windows, que ça se paraît que ça change entre les deux. Donc je crois que c'est 13, pas besoin de mettre un 14e. Sans qu'il prend, il ajoute lui-même en fait le symbole de terminaison de chaîne. Bon, on verra. Je vais laisser 13, mais normalement ça suffit. Ça, bah, c'est tout simplement ce qui a été écrit. Donc c'est written, la partie qu'il fallait réserver. Donc c'est un pointeur hein, pour ceux qui font de la programmation en C ou. C'est un pointeur en fait, voilà. C'est un pointeur en. C'est un D-word, ouais, donc c'est un double mot, voilà, pour être exact. Mais ça, sans, si vous. Encore une fois, vous ne connaissez pas l'anglais assembleur, vous ne savez absolument pas ce que je raconte, mais c'est pas grave. Et. Nous avons ce qu'il faut. C'est pas tout. Il nous manque le dernier élément. Donc lui, il va pas falloir grand chose. Il me faut juste que je réserve un Q-word. Et je me sers bien sûr de ce que j'avais récupéré sur la pile. Je réaligne l'autre côté. Donc je fais un plus 32. Et c'est 0. Voilà. Parce que les autres arguments, en fait, sont placés directement empilés sur la pile. Quand on a utilisé déjà les registres R6, RDX, R8 et R9. Donc pour le prochain, passe sur la pile. On fait enfin un appel. Alors je vais refaire des copies-coller. De Write Console. Hey. Et voilà. Et on termine. Donc là, j'ai fait mon nettoyage de pile. Et enfin, histoire de faire les choses dans l'ordre, on se replace cette fois-ci. Alors, je vais utiliser le CX parce que je vais utiliser un registre du 32. Ouais. Pas besoin de forcément de le refaire sur RC. D'ailleurs, c'est vrai que je m'étais embêté. On va faire sur ECX parce que c'est pas forcément besoin de faire plus gros que ça. De toute façon, c'est pour mettre un 0. Donc, je suis pas obligé de le faire sur RCX. Alors, en 64 bits, hein, voilà, vous comprendrez plus tard qu'on aura RCX puisqu'on l'avait utilisé ici plus haut. C'est un cas particulier. Mais là, tiens, pour changer un peu, on va utiliser le CX. On va faire ça comme ça. Même mieux, on va faire ça. Comme on veut faire une initialisation à 0, on va le faire sur le registre lui-même. Hop. Voilà. ECX, ECX. Donc ça, en fait, hein, pour être... D'ailleurs, petit commentaire. Ça va mettre, en fait, hein, comprenez, dans ECX. Eh bien, en fait, c'est un OU exclusif, d'accord, entre ECX et lui-même. Voilà. Et on termine par un appel à ça. Alors, avant d'assembler, je vois que j'ai pas oublié la moitié de ma vie. Un argument pour get, normalement c'est bon. Ça c'est pour l'alignement, les deux sont là. Il en a 1, 2, 3, 4, il a bien les 5 arguments ici, write console. Et un argument pour exit process. Alors après, normalement c'est les bons registres. Non, ça m'a l'air d'être OK. J'ai pas oublié ici, start, global, text, bss, data. Très bien. Le code m'a l'air bon, donc a priori, pas de problème ici. Maintenant, parce que là on fait les malins, mais il s'agit d'assembler ça. Alors l'assemblage, on ne va pas te poser de problème, c'est un ASM. Bon, évidemment, il est déjà installé sur mon système, si vous voulez l'installer. C'est vrai que je ne l'ai pas montré sur Windows, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le faire. Vous allez sur le site de NASM que j'ai montré tout à l'heure sur Linux, et vous le téléchargez, c'est une application installée. Éventuellement, si c'est pas fait automatiquement, normalement il le fait automatiquement, vous ajoutez bien sûr le chemin vers ces binaires à la variable d'environnement path de Windows. Si vous ne savez pas comment faire, dans la playlist Windows Tutoriel, vous avez également une petite vidéo aide pour ajouter sur la variable d'environnement pass pour savoir comment faire. Donc encore une fois, pas d'excuses, tout est sur la chaîne, vous avez tout qui est détaillé. Alors ici, le format pour Windows, bah, ça va être très simple, c'est Win, et comme on est en 64 bits, c'est Win64, on ne peut pas se tromper. Par contre, alors comme on va essayer de travailler avec LD, donc on va travailler avec un format avec une extension .o également. On va faire ça comme ça, ASM-o. 64.0. Ça, normalement, il va être. Voilà. Ça va pas lui poser de problème. Il va dire OK. Par contre, l'ALD, pas sûr que ça marche. Et je vous dis, ça marche pas. De toute façon, je vous montrerai avec Golink. On fera ça avec Golink aussi. Alors, LD, CCC. Il nous faut tirer E. Alors là, encore une fois, c'est vraiment. J'ai un petit doute, mais on verra bien. Start, parce que normalement, voilà, c'est surtout pour Linux. Mais ici, j'ai utilisé Start parce que c'est ce qu'il attend, lui. Voilà. Et nous allons, parce que ça, c'est par contre, je peux vous en parler, le détailler quand même, l'expliquer. Ça fait partie de l'API Windows. C'est-à-dire que Windows, au minimum, pour ses fonctions système, a en fait bah, des bibliothèques, d'accord, qui sont disponibles. Il y en a une qui s'appelle kernel32, il y en a une autre qui est user32, et éventuellement, on verra plus tard qu'il y a aussi GDI32, dont on peut se servir. Alors, même en 64 bits, hein, d'accord, ça possède le nom 32 pour des questions de rétrocompatibilité,
mais on a ces différentes bibliothèques qui sont disponibles sur votre système, bien évidemment, et c'est issu de ces bibliothèques-là qu'on se sert de ces fonctions. D'accord? C'est dans ces bibliothèques, donc notamment Kernel 32, qu'on a ces fonctions-là qui existent. Donc on peut comme ça l'utiliser via cette API-là dans notre langage d'assembleur, puisque encore une fois, comme je vous l'ai dit, Windows est propriétaire. Donc on ne peut pas s'amuser à directement faire appel au noyau, tout ça. Non, c'est Windows qui gère via son API et il vous laisse faire que ce qu'il vous autorise à faire. Enfin, en tout cas Microsoft, puisque c'est leur système. Donc c'est surtout ça. Alors, file, pareil, d'ailleurs j'ai fait, attendez, non, en fait je pouvais faire un obj. Bon, je sais pas en fait s'il va, je sais pas, est-ce que le point O va pas lui poser de problème, on verra. On verra. Ici, donc comme c'est l'édition bien, je vais lui passer kernel 32, on peut tout coller, hein, je rappelle, hein, pour ceux qui ont déjà fait ça en commande, on peut coller kernel 32, c'est ça que je prends toujours l'habitude de séparer. Kernel 32, normalement il n'y a pas besoin de spécifier le format, et le fichier, on va l'appeler .exe sur Windows. Et là, il me dit qu'il ne le trouve pas. Ouais, donc ça ne marche pas. Effectivement, LD, ça pose problème. Alors, j'ai peut-être tout. Attendez, j'ai peut-être. Je vais tenter avec un OBJ, même si normalement, ça n'a pas changé grand-chose. C'est ça que je voulais utiliser sans Golink. On utilise, il ne faut pas vous embêter. Sur Windows, on utilise généralement Golink hein, pour lier. Parce que LD, je vous dis, n'est pas fait pour ça. Il n'est pas conçu pour ça à la base. Voilà, donc en plus là comme je suis en 64, autant à l'époque avec le 32 ça passait bien, mais là plus compliqué. Donc pas grave, je voulais tester quand même, je voulais quand même regarder. Donc alors, je vais laisser le nom star de toute façon, ou alors je vais mettre main, on va changer un peu, voilà, hop, je vais te montrer qu'on ne fait pas utiliser LD, tac. Alors je vais faire ça, et on va refaire ça correctement. Donc là il faut un format OBJ, enfin extension OBJ, parce que Golink c'est surtout ce qu'il reconnaît, c'est plus pratique, donc on fait ça, d'accord. Hop, on assemble et ensuite vous utiliserez Golink. Alors si vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous ne l'installez pas directement sur votre système, bah, il suffit de passer son exécutable parce que c'est tout petit, hein, vous voyez, même pas 50 kilooctets, tout petit. Vous le mettez au niveau en fait de votre programme, comme ça vous n'avez pas besoin de le mettre dans votre système, l'installer tout ça. C'est juste un exécutable standalone hein, qui est tout seul en fait, ici. Et il n'y a plus qu'à taper, parce qu'on est dans le bon répertoire, Golink. Un petit point .exe ici, notamment parce que je suis sur la console PowerShell. Et là, il nous faut notre fichier OBJ. Très important. Il nous faut spécifier l'entrée, donc c'est un slash, hein, il utilise des slash hein, pour ses arguments, lui, cet outil-là. Slash entry, je l'ai appelé, je remontre ici un main, ok, donc je fais un petit main. Je suis en mode console et non pas en interface graphique, donc c'est slash console. Voilà. Et ensuite, on indique toutes les bibliothèques qu'on va utiliser de Windows, et normalement, là, pour le coup, Golink va pas poser de problème, puisqu'il suffit d'indiquer, non pas kernel, mais kernel 32, d'accord. Là, il faut indiquer par contre les extensions. Enfin, peut-être pas obligatoire, mais moi j'ai toujours mis. Et il nous faut user 32. Et je pense, et quoique user 32, je suis même pas sûr qu'on en ait besoin là. Non, parce que je fais même pas de. Attendez. Parce qu'on peut pas forcément hein, ajouter des choses inutiles. Je crois que le user 32 n'est même pas obligatoire. Là. Voilà. On a notre exécutable qui est là. Est-ce qu'on n'a pas fait de demande? Est-ce qu'on n'a pas encore fait de demande au clavier, tout ça? On n'a pas fait de saisie. Donc ça va être suffisant. Voilà. Et effectivement, le 13 était suffisant, il l'ajoutait automatiquement. Hein. Write console ajoute automatiquement le caractère de fin pour la chaîne, donc c'est ok, pas de problème. Vous voyez, entre Linux et Windows, des fois, faut faire attention. Il y en a un qui le compte et un qui le compte pas, mais de toute façon, une fois que vous testerez votre programme, vous le verrez. Hein. S'il manque un, s'il y a un retour à la ligne qui se fait pas, c'est que vous avez oublié de compter un caractère pour la longueur de votre chaîne. Donc, parce que là, il est bien ajouté hein, au niveau du message, donc pas de problème. Ok, donc voici le programme en 64 bits pour Windows. Donc, on utilise Golink, hein, je rappelle, pour le lieu. Et on va passer pour la version 32. La version 32, c'était pour le coup, c'était un petit peu plus casse-pied. Après, c'est un avis subjectif, hein, ça ne regarde que moi. Autant sur Linux, c'était peut-être plus pratique, on va dire, et encore, parce que finalement, non, je dis que plus pratique, non. Sur Linux, 32, 64, ça va. On a certains termes qui ont changé, mais au final, ça passe pareil. Sur Windows, c'est vrai que le 32 bits, c'était pas la joie hein, au niveau des termes, parce que bah, l'API n'était pas la même. Hein. Voilà, ils ont essayé un petit peu de l'améliorer pour rendre ça plus pratique à utiliser. Vous allez voir qu'en 32 bits, c'est un peu plus chiant, c'est un petit peu plus, voilà. C'est moins agréable à utiliser. On passe en bits 32 cette fois-ci, et là, les fonctions utilisées ne sont pas exactement les mêmes, en tout cas, ne portent pas les mêmes noms. Ici, au niveau de, quand on est sur une architecture 32 bits, qu'on veut générer un code en 32 bits, il fallait les faire précéder d'un underscore, donc là, le nom ne change pas, c'était des handles. Et ensuite, il fallait indiquer via un arrobase le nombre d'arguments que ça prend. C'est exactement en fait la taille, par rapport à la taille des arguments, donc c'est par rapport au nombre d'octets, mais je ne vais pas encore une fois vous faire le détail du code que je vous montre, c'est pas le but comme je vous l'ai rappelé sur cette vidéo. Donc ici c'est 4, parce qu'on n'a qu'un argument.
Ensuite, on a ces write cons. Voilà, attention à la majuscule. Attention hein, sur Windows. Ici, on a 5. Donc, c'est 5 x 4, c'est 20. On est bon. Ensuite, on a exit process. Et lui, il n'en a qu'un seul. Donc, c'est 4. Voilà. Et c'est gagné. Section data. Et non, pas section d'assaut. Attention. C'est toujours pareil. Et non, pas DB pour database. De toute façon, on verra plus tard. Hein. Hello world. Là, retour à la ligne, c'est OK. BSS, alors il faut adapter bien sûr. Hein, quand vous avez, maintenant que vous avez compris, entre, au moins entre le 32 et 64 bits, vous avez compris que les registres vont changer, même si vous ne savez peut-être pas du tout ce qu'est un registre à ce stade. Mais c'est pas grave, mais vous avez vu tout à l'heure sur Linux, hein, que j'utilisais pas les mêmes noms de registres là dans les MOV, les MOV, les MOV. Je vais l'appeler toujours Return. Cette fois-ci, c'est en RESD puisqu'on est en 32 bits. C'est toujours 1 puisqu'il me faut un seul octet. Et non pas à noter ce que c'est un double, je vais y arriver. Hein, c'est un double mot et pas un mot simple. Donc attention, donc il n'y a pas qu'un octet. Ok, donc c'est du 32. Parce que voilà, Q-word c'est 64, hein, du coup, et double c'est 32. Section text, on reprend le même format, main ici, et voilà, on est bon. Right, tac tac tac, resty, ok. Donc là, il fallait passer en 32 bits seulement par la pile. On ne passait pas par des registres en fait particuliers. Il fallait tout empiler sur la pile. Évidemment, vous ne savez peut-être pas ce qu'est une pile, ou sauf peut-être en termes de structure de données si vous avez fait de la programmation dans d'autres langages, ou par exemple, vous avez regardé mon cours en C où on a vu les piles hein, en programmation en langage C. Mais là, on parle vraiment donc, de d'une mise en application de cette structure de pile, mais au sein du système, hein, la pile système. Et cette pile ici, ben on va empiler les différents arguments dont ont besoin nos fonctions. D'accord, on empile dans la pile. Voilà. Donc c'est un peu, certains diront que c'était un peu sale. Hein. On avait en gros une pile, on dit tiens, j'empile tous les arguments comme une pile d'assiette, et après je fais appel à la fonction, et ensuite je remplis les nouveaux arguments, je fais appel à une autre fonction, et c'était ça. Voilà, c'était vraiment, c'était du n'importe quoi, hein, la débandade, tout ça. Donc pour ajouter à la pile, on utilise notre instruction push. Donc j'ajoute la valeur -11 puisque c'est ça qui va me permettre d'écrire sur la sortie standard. Et je fais un appel que je n'ai pas envie de renoter à tout à la main, donc je reprends tout pour appeler ici et récupérer, en tout cas obtenir un gestionnaire ici pour mon tout simplement pour mon affichage. Hein, voilà, il faut un gestionnaire pour la sortie standard. Ensuite, on push, hein, voilà, donc on push mid, hop, on push 0, donc ça c'est le premier ici, voilà, donc il nous faut 0. Ensuite, alors là par contre, ça qui sont à l'envers, on est en 32, donc c'est à l'envers, il nous faut Return cette fois-ci, parce qu'il y avait des arguments qui étaient inversés, parce que vous verrez qu'il y a une histoire de prendre des arguments de droite à gauche ou de gauche à droite. Il y a plein de façons, plein de règles qu'on va avoir au niveau de secours, plein de choses. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ensuite sur la pile le nombre de caractères. Donc ici, lui, on prend pas le caractère de fin, donc c'est 13. Ensuite, on empile sur la pile le message. Voilà. Et on termine par l'appel incroyable à write console. 1, 2, 3, j'en ai oublié un, attendez, oui, j'ai oublié de l'accumulateur, hop, je fais dans l'ordre, ça c'est le premier, 2, 3, 4, c'est bon, oui, ça c'était le pointeur, carré en avant-dernier, ouais, ce qui sont là, cette fois-ci, de droite, ok, premier, très bien, donc ça c'est l'affichage, gestionnaire, l'affichage, et si vous avez bien suivi jusqu'à présent, l'argument 0 qu'on passait tout le temps, même pour exit hein, tout à l'heure sur Linux, on fait un petit call de exit process. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour résumer même ça, même si vous n'avez pas du tout compris ce code. Je vous ai dit que cette fonction ne prenait qu'un argument. D'accord. Bah cet argument, en fait, voilà, dans la pile, je le mets, cet argument, c'est la valeur 0. Et je fais appel ça. Et en fait, cette fonction de l'API va être appelée avec cet argument-là. D'accord. Ce paramètre-là. Le paramètre qu'elle attend sera 0. Voilà, il faut le voir comme ça. Write console, il a 5 arguments. Et je les empile sur la pile. Donc ça, bon, pour le coup, on pourrait se dire que bah, c'était plus simple de ce côté-là. Enfin, après, c'est encore une fois, c'est subjectif. Hein, c'est chacun voit ça comme il veut. C'est vrai que là, on pourrait dire que c'était assez simple à l'usage parce qu'on avait qu'à empiler sur la pile à chaque fois et on s'embêtait pas. Et après, par la suite, avec le 64 bits, maintenant, on a des registres particuliers. Il faut connaître les noms, il faut savoir à quoi ils servent, dans quel ordre, etc. Plus compliqué, mais c'est surtout que bah, les langages assembleurs fonctionnent beaucoup comme ça maintenant. De toute façon, il y a des registres réservés, des registres pour des usages bien particuliers qui ont des conventions, etc. dans les appels. Donc forcément, c'est mieux que de dire, on empile tout sur la pile, on s'embête pas, voilà, on met tout, paf, à l'arrache, et on appelle tout. Donc ça a pas mal évolué hein, au niveau des architectures, et en fonction, bien sûr, des supports sur lesquels vous travaillez. S'il n'y a pas d'erreur là-dedans, je vais devoir pouvoir assembler programme. Donc cette fois-ci, ce n'est pas Win64, mais Win32. Oula,
J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Win32. A32. Ici. Et pour Golink. A32. C'est bon. Yes. Normalement, j'ai le A32 pour exé. On teste. Et voilà, le petit Hello World qui clôt cette partie-là. Donc c'était assez long, on a vu beaucoup de choses, mais c'était le but, encore une fois. Le but, c'était un petit peu que ce soit déroutant, cette vidéo. C'est-à-dire que bah, y a plein d'informations d'un coup, vous dites « Oula, oula !» Alors, c'est pas du Python, oui, ça change un peu. Alors, c'est pas encore une fois, hein, je vous l'ai dit, c'est pas que ce soit plus compliqué, plus simple. Voilà. N'oubliez pas que c'est toujours de toute façon subjectif. Il y a des gens qui trouvent plus simple le langage assembleur que Python, et inversement. Voilà, c'est juste que bah, si pendant X temps, vous manipulez telle chose et qu'on vous fait passer à autre chose, bah forcément c'est assez déroutant, c'est pareil. C'est comme d'avoir été sur Windows toute sa vie et le jour où on vous met sur Linux, vous êtes complètement paumé. Et l'inverse serait exactement pareil, ça poserait le même problème. Vous avez passé votre vie sur Linux et demain on vous met sur Windows, vous êtes largué ne serait-ce que pour ouvrir un simple navigateur. C'est normal, c'est des choses à savoir, on va réfléchir autrement, il y a une manière de penser les choses différemment, parce qu'on va pas programmer de la même manière qu'on le ferait dans un langage plus haut niveau. D'autant que là, on est encore une fois dans un langage qui est simplement une transcription du code machine. D'accord ? D'ailleurs, on s'amusera peut-être à un moment donné à carrément écrire du code machine directement. On passera même pas par le code en langage assembleur, enfin le texte en langage assembleur. On s'amusera à noter voilà, les instructions directement et vous écrirez comme un robot. Hein. Vous deviendrez des machines vous-même et on s'amusera à faire ça. On mettra directement les instructions en code machine et il n'y aura plus qu'à voilà, y aura plus qu'à lancer ça et ça va faire des miracles et des merveilles. Ok, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, le but c'était de vous montrer sur Windows, sur GNU Linux, 32 bits, 64 bits, l'assembleur NASM qu'on utilisera de toute façon pour ce cours. Pour GNU Linux, pardon, utilisez le lieur LD. Pour Windows, je vous recommande, vous avez vu, c'est beaucoup plus pratique, le lieur Golink. Comme ça, en plus, vous n'aurez pas forcément les mêmes de l'un à l'autre. Et ce sera très bien, ça fera très bien le travail de toute façon. Donc voilà, donc si vous utilisez qu'un des seuls systèmes, à vous de vous adapter. Choisissez bien sûr ce qui correspond à l'architecture de votre système d'exploitation. J'espère que le système d'exploitation que vous avez installé correspond à l'architecture de votre processeur. C'est quand même l'idéal à ce niveau-là. Et on va pouvoir comme ça aborder tout ça dans le détail. Donc là au moins, vous avez vu bah, énormément de termes. D'accord, j'ai employé énormément de termes pendant que j'ai commenté ce code. On a vu plein de données, on a parlé de registres, on a parlé d'instructions, on a parlé de décalage, on a parlé d'alignement, on a parlé de pile, on a parlé d'appel, on a parlé de convention d'appel. Voilà, j'ai sorti énormément de termes, il y a tout un tas de syntaxes différentes. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais programmé ou même programmé en langage assembleur, ça doit être absolument déroutant et incompréhensible. Comme ça, en tout cas, sans commentaire, bon, ça le serait d'autant plus. Mais sachez qu'au moins, au terme encore une fois de ce cours, et même bien avant, de toute façon, mais assez tôt, vous comprendrez parfaitement chacune de ces instructions et vous verrez que ça n'a rien de plus logique que ce que c'est. D'accord ? Il n'y a rien de compliqué. Et une fois qu'on comprend le langage, ben, on se rend compte qu'en fait, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. C'est vraiment, encore une fois, une question de point de vue. Ça dépend des gens et de la précision de chacun. Et programmer en langage assembleur n'est pas forcément... En tout cas, là, je parle de sa syntaxe, n'est pas plus compliqué que programmer en PHP ou en C ou en C++. Après, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne ferez pas d'erreur ou que produire un code correct est plus facile ou plus compliqué. Ça, bien sûr, ça dépend de pas mal de paramètres et de facteurs aussi. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait le tour, vous avez bien travaillé. Bon, j'ai bien travaillé aussi, mais voilà. S'il y a des commentaires, bien sûr, des questions, n'hésitez pas en commentaire cette vidéo. Je pense qu'il y en aura beaucoup parce que vidéo d'introduction, je vous détaille pas mal de choses qui vous attendent, et puis là, dès la deuxième séance, blam, max de code. Mais ce que je voulais faire, voilà, je voulais qu'on balance un gros bloc, on arrive directement, je vous balance un code, j'en parle très brièvement, comme si vous connaissiez déjà tout ce que j'explique, comme si j'étais juste en train de vous détailler un code que je fais, mais que vous connaissiez le langage, et en fait, pas du tout. En tout cas, bon, c'est le but en tout cas de cette formation. Et on va comme ça éplucher chaque chose, pour que vous voyez un petit peu la logique qu'il y a derrière, le fonctionnement derrière tout ça. Et bien sûr, à terme, que vous puissiez écrire vos propres programmes. Et on verra bien sûr d'autres notions que celles que j'ai pu montrer sur ces petits codes de démarrage, en tout cas pour ce début de cours, hein, finalement, langage assembleur. J'espère en tout cas que ça vous a plu, parce que
À l'heure bien sûr où je fais cette vidéo, je sais que cette suite était très attendue, comme constamment pour tout. Donc logiquement, écoute, on va se faire un petit jeu. Vous savez que je publie pas mes vidéos en fonction hein, de ce que les gens demandent, tout ça, parce que les gens veulent de tout, tout le temps, au même moment, et même si je devais faire 10 vidéos par jour, si je le pouvais, ils seraient contents que je le fasse, donc voilà. Mais on va se dire que, comme j'ai pas particulièrement, je vais pas particulièrement forcément publier toute la suite des vidéos en langage d'assembleur, parce qu'il y a plein d'autres formations, mais s'il y a un effort sur... On va le faire, ça y est, 2021, moi je fais cette vidéo, nouvelle résolution, tout ça. Donc si vraiment la vidéo explose voilà, en termes de vues, en termes de likes, parce que c'est ça que je ne pousse pas forcément les gens à liker de cette vidéo, et pourtant c'est tellement important pour le référencement ou autre, bah, n'hésitez pas, si vous donnez en tout cas un petit coup de main au niveau des likes, du référencement de la vidéo, des vues, qu'elle ait énormément regardé, tout ça, et bien écoutez, on enchaînera assez vite sur les prochaines séances, alors pas tout d'un coup, mais j'enchaînerai comme ça sur quelques séances supplémentaires, en tout cas, histoire de vous gâter un petit peu pour ce début d'année 2021. Au moment en tout cas où j'ai fait cette vidéo, parce que peut-être que parmi vous, des gens, vous êtes en train de m'écouter, et on est en 2037, voilà, c'est la fin du monde, le Covid 2037, c'est atroce, voilà, et du coup, bon, bah, vous êtes en train de programmer ça, et vous comprenez absolument rien, puisqu'on n'est plus en 2021 depuis des lustres. Mais c'est pas grave, ces vidéos sont intemporelles, ce cours l'est aussi. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez déjà pas mal appris de choses, mine de rien, sur cette introduction à votre premier programme en langage assembleur. Encore une fois, choisissez le bon format, la bonne architecture, le bon système, testez de votre côté, commencez à installer tous les outils pour que tout soit en place, et on va voir tout ça en détail ensemble sur la suite de la prochaine séance, en tout cas de ce cours. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et si à un moment donné des questions, vous me retrouvez comme d'habitude dans les commentaires, puisque je suis présent constamment pour répondre à vos questions. À bientôt !